Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lyoni. Voici Petit Bleu. Il est à la maison avec Maman Bleu et Papa Bleu. Petit Bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit Jaune qui habite dans la maison d'en face. Ils aiment jouer à cache-cache. Et faire la ronde. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et saute. Un jour, Maman Bleue lui dit :« Je dois sortir, attends-moi à la maison. » Mais Petit Bleu veut jouer avec Petit Jaune, et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est Petit Jaune Il le cherche par ici. Il le cherche par là. Il le cherche partout. Jusqu'à ce que soudain, à l'angle d'une rue, le voilà Tout heureux, il s'embrasse. Il s'embrasse si fort qu'ils deviennent tout verts. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Ils rencontrent petit Orangé. Ils grimpent sur une butte. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. Mais Papa Bleu et Maman Bleu disent :« Tu n'es pas notre petit Bleu, tu es Vert. » Papa Jaune et Maman Jaune disent :« Tu n'es pas notre petit Jaune, tu es Vert. » Petit bleu et petit jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes jaunes et bleues. Ils fondent en larmes jaunes et bleues. Enfin, remis de leurs émotions, ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on maintenant Maman bleue et papa bleu sont heureux de revoir petit bleu. Ils l'embrassent et le serrent très fort. Ils embrassent et serrent très fort aussi Petit Jaune. Mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent verts. Alors ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face porter la bonne nouvelle. Tous s'embrassent avec joie. Et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner.